Salut à tous, direction West Bromwich dans le nord de l'Angleterre. Nous sommes dans les tribunes de The O'Sounds, dans la cabine de commentateur à mes côtés et pour vous servir. Omar Dapuseka, ça va être un plaisir de suivre cette rencontre. West Bromwich Albion, le long d'avant-dernier. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation amplifiée et ravivée de la France. Voici la troisième de la Dazaraï. On connaît leur grande qualité de pressing. Leur intelligence, c'est d'être capable de parfaitement bien gérer les espaces. Ouais, on a l'impression parfois que leurs adversaires étouffent. Les espaces, c'est l'oxygène du jeu. Sans espace, tu n'as pas de temps. Et un œil sur la composition de cette formation. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Thank you, the Hawthorns. Enjoy the game. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. Harry Winks. Ivan Toney. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Ça sort en 6 mètres. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Son rôle dans l'équipe, il est essentiel, parce que sa grande qualité, c'est de rendre meilleurs ses coéquipiers. C'est ça le football collectif. Je te donne, tu me donnes, et ensemble on devient meilleur. Oui, la belle incursion là. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Ivan Toney. Aïe, 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 ballon perdu. La perte de balle. Evans. C'est une bonne progression dans le camp adverse pour prendre l'avantage peut-être. Et c'est le but! Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Donc au tableau d'affichage. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire.
Et l'équipe récupère le ballon. Et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. L'ABC du football, le corps trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop ascendante. Attention, c'est rendu directement aux adversaires. Et le gardien se rattrape bien sur cette action. Effectivement, un très bon arrêt qui vient faire oublier l'intervention précédente. Tout cela a été un peu approximatif. Harry Winks. Ivan Toney. Stephen. Bonne circulation du ballon. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Ouais, superbe défense. Ah, le contre est possible. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Harry Winks. Arnold. Ivan Toney. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Les stats le confirment, la possession n'est pas pour l'équipe visiteuse, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but et dans les moments clés du match. Ivan Toney. Eh oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Mais non, la changement de possession du coup, c'est pour l'adversaire. Godin. Olé, le bon mouvement. Et le gardien arrive en premier sur ce ballon. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah, il peut frapper pour égaliser. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. On les mains dans la tête. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Attaque maîtrisée pour récupérer le ballon. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Et voilà une bonne intervention. Ça sort en touche. Stéphane. Ivan Toney. Ah, il s'est donné dans l'espace, en profondeur. Sans aucune difficulté pour le gardien. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir.
Il y avait quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Avec un peu d'espace sur les côtés. Stephen. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Et la frappe part bien. C'est un ballon parfaitement maîtrisé. Ballon rendu à l'adversaire. Ballon pour égaliser. Et le gardien s'emploie comme il faut. Match compliqué pour les supporters. Première incursion depuis un moment. Sauf qu'on en sait même peut-être l'occasion d'égaliser. C'est un corner bien joué, bien frappé. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Allez contrer cette frappe. Le ballon change de pied. Ivan Toney. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Ivan Toney. Ah là là, ballon perdu sur cette passe mal assurée. Pressing haut sur le terrain. Evans. Un bon contre à jouer peut-être. La contre-attaque était bien partie, mais finalement, ça ne donne rien de bon. Ivan Toney. Eric Lamela. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Eric Lamela. Un centre dans la surface. Et la défense s'en sort. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. L'équipe pousse fort dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Le ballon qui est récupéré dans une ambiance de folie. Le public croit à l'égalisation et il le fait comprendre à son équipe. Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation. Attention, c'est pas terminé. C'est une magnifique interception et décisive en plus. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Attention à la frappe. C'était l'occasion de la dernière chance. Malheureusement pour cette équipe, l'égalisation est ratée. Et là, vu le chrono, on peut dire que c'est finito. Ça peut être dangereux s'il perd le ballon là. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Sergio Toney. La fin, ça y est, de cette rencontre. Et une belle opération évidemment avec cette victoire à l'extérieur. Oui, une victoire grâce à ce petit but d'écart.
ça raconte beaucoup des choses sur la difficulté de ce match.